Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Annoncé pour une diffusion sur TMC lors de la conférence de rentrée, Cuisine Impossible signera finalement son arrivée sur TF1. Ce vendredi 12 avril, la première chaîne d'Europe proposera à ses téléspectateurs de découvrir le premier épisode de son nouveau divertissement à partir de 23h15. L'émission, propulsée dans la case des divertissements d'Arthur, sera emmenée par Juan Cos et Julien Duboué. Les deux chefs se lanceront mutuellement le défi d'envoyer l'autre dans un pays étranger pour reproduire à l'aveugle un plat traditionnel local dont ils n'ont jamais entendu parler. Pour cela, ils devront reproduire les plats signatures de restaurants réputés en les regardant et les goûtant, le tout sans en connaître la recette. Chacun bénéficiera de 24 heures pour faire les courses sans toutefois recevoir une aide. Le duo qui aura remporté le plus de voix sortira vainqueur du duel. Cuisine Impossible, produit par Endemol Chine France, sera porté par un visage familier des téléspectateurs. Chef cuisinier colombier installé en France, Juan Cos a participé à la première saison de Top Chef en 2012 sur M6. Tout en ouvrant son restaurant, le jeune homme a multiplié les apparitions sur le petit écran. Il a été vu dans Comment ça va bien et dans La peau d'un chef sur France 2. De son côté, Julien Duboué est reconnu pour avoir ouvert un restaurant innovant à l'âge de 26 ans. 10 ans plus tard, il est à la tête de 5 établissements à succès. Le chef landais a fait des passages remarqués au George V ou encore aux côtés de Daniel Boulud à New York.